Bună tuturor, sunt Andreea Ali, iar de data aceasta v-am pregătit un machiaj pe care nu-l voi face pe mine. Iar pentru acest machiaj am invitat-o pe colega mea, Ines. Alors, je m'appelle Ines, j'ai 21 ans et je travaille pour Shiseido et Serge Lutens aux Champs-Élysées avec Andrea. Et bientôt, je serai hôtesse de l'air. In the air. Stewardess. Première étape, j'utilise la base du maquillage, c'est une base lissante, Step One de Make Up For Ever. Je dois parler en français parce que Inès, elle parle français, mais tu es d'origine marocaine. C'est ça. Tu as une très jolie peau. Merci. Après, je vais utiliser le fond de teint de NARS, Fiji et Syracuse. Syracuse. J'aime pas quand le fond de teint est trop clair. Non, moi non plus. Et quel est ton produit préféré de Anastasia? Les rouges à lèvres ou les produits de sourcils? Question très difficile. J'adore les highlighters. Les highlighters. Incroyable. Eyebrows aussi. Le deep blow pomade. Mais les highlights, j'adore. Ça fait toute la différence. Ah oui? Je ne sors jamais sans mon highlight. Et on me demande toujours c'est quoi mon highlight. Qu'est-ce que tu utilises comme highlighter pour dire la palette d'Adlow. Je mélange les couleurs. L'année prochaine, oui. On va recevoir. Oui, parfait. La palette Sandy. Super. Je vais venir la chercher alors. Tu vas l'adorer. Alors j'utilise le Make Up For Ever. Je sais pas pourquoi je dis Make Up For Ever. Quand tout le temps je dis Make Up For Ever. Laura Mercier. Translucent Loose Setting Powder. Tu dois regarder vers le haut. J'utilise la poudre avec le Beauty Blender. Comment on dit bonjour, merci en roumain? Bonjour, c'est bună. Bună ziua. Bună ziua. Oui, c'est comme ça. Bună ziua. Et merci, tu peux dire merci parce que c'est le même en roumain. Mm-hmm. Et mais dire aussi mulțumesc. Multo, mulțumesc. Mulțumesc. Très bien, Inès. Si tu veux avoir le maquillage qui ne bouge pas toute la soirée, parce que je veux faire maintenant un maquillage pour la, comment on va dire, New Year. Pour la nouvelle année. Je vais utiliser la poudre bronzante de Marc Jacobs. C'est une échantillon. J'adore utiliser le bronzer sur le coucou. Alors, je vais utiliser la poudre de contouring de Marc Jacobs. Je voudrais utiliser la poudre de Anastasia, mais je n'ai pas de couleur. Tu as un nez parfait. Thank you. Je vais utiliser medium brown. Quand je fais le sourcil, j'aime beaucoup d'utiliser la poudre première fois. Oui. Et pour remplir. Tout le monde me demande pourquoi il y a deux couleurs de poudre pour les sourcils. La couleur qui est plus claire, nous utilisons au début les sourcils, et l'autre, nous utilisons sur la queue du sourcil. Après, je détaillais les sourcils avec le brownies. C'est très important de brosser, toujours brosser les sourcils pour mélanger les produits et avoir un résultat le plus naturel. Le Clear Brow Gel. C'est la gel fixateur qui
fixe les sourcils. Maintenant, je vais utiliser un base pour mon fard de paupières. Fard la paupière. Soft Ochre Pink Pot. Let's make something dramatic. Dramatic? Yes. La première couleur, c'est chestnut. Je vais utiliser cette couleur dans le creux. High Impact Mascara Clinique. Et maintenant j'utilise Diamond Powder de Makeup Forever. Et maintenant, Glow Kit. Highlight and click. Highlight. Tu peux doser. Ah oh, oui. Oh là là. Tu m'as dit que tu es très jeune. Contour de lèvres. Alors ça c'est le contour de lèvres. C'est du rouge à lèvres. Ça c'est Vixen. Après, je finis le maquillage. Mm-hmm. Je regarde si tout est bien. Et maintenant, je crois que tu fais un petit peu plus de poudre bronzante. Et bien sûr, le maquillage n'est pas complet sans les... Ça, ce que je veux utiliser, c'est un mini qui est roulant, qui fait cette fois-ci Ink Lash. Vous pouvez trouver sur Internet.
trop beau. Urban Decay All Nighters Setting Spray. J'espère que vous avez aimé ce maquillage de fête de fin d'année. Passez de très bonnes fêtes avec vos proches. Merci Andrea pour ce magnifique make-up look. J'ai adoré le Kylie pour les yeux. Et of course, Anastasia pour les eyebrows et le highlights. Alors si vous avez aimé ce look, si vous voulez voir encore plus de looks et de maquillage, abonnez-vous à la page YouTube de Andrea pour encore plus d'exclusivité. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de commenter ce magnifique look. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram avec Jasmine-du-8-Jafar sur Instagram.